Parce que nous étions dans l'éternité avec Dieu. Le frère Branham dit, n'attendez pas que la personne meure pour parler en bien de lui. Le frère Branham dit, n'attends pas que tu pousses d'abord mourir pour amener tout un bouquet de frères. S'il faut le faire, c'est maintenant. Si vous l'aimez, il faut le lui dire. Il en a besoin. Le frère Branham dit, quand on me dit que tu as bien prêché, que ça me fait du bien. Quand il prêche un bon sermon, allez vers lui. Dites-lui, pasteur, c'était bon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous avons fait soyer le message de l'heure. C'est tout ce que nous avons. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 1. Verset 1, verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 13:7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Tendre Père Céleste. Nous t'aimons, Seigneur, pas notre amour pour toi, mais ton amour pour nous, Seigneur. Car tu nous as aimés avant de venir dans la chair. Tu nous as aimés par la prédestination. Seigneur, voilà pourquoi nous venons pour te montrer notre gratitude. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour te louer, te chanter et t'adorer, Père. Par la prééminence de cette réunion, Père. Ordre l'homme et du chapelet. Seigneur, où est mes lèvres, Père? Afin que ce soit la divinité qui s'exprime. Seigneur, où est spécialement la congrégation? Afin qu'il y ait une communion entre moi et Dieu. Que ton nom soit béni. Béni tous tes enfants ici présents. Merci, homme de Dieu, de vous d'être là pour m'écouter. Amen. Je suis votre frère, prédicateur comme vous. Je vous demande une chose. Priez pour moi. Il y a quelque chose que un précieux pasteur a dit que j'aime beaucoup. Il s'appelle le pasteur Léonard Kayoumi de Mbujimayi. Une fois il prêchait chez nous là-bas, il dit ceci: si je dis quelque chose que vous n'aimez pas, il dit prenez la chose, jetez dans la poubelle. Mais moi ne me jetez pas dans la poubelle parce que je suis votre frère. Amen. Alors aujourd'hui, je vais essayer de relier ma prédication à celle du vendredi. Le vendredi dernier, nous avions parlé de la prise de conscience. C'est-à-dire, reconnaître notre identité. Et le frère Branham nous dit que
tu ne sauras jamais qui tu es kama hawezi jua simu uko nani si tu ne comprends pas qui Jésus est kama hawelewi Yesu ni nani. Parce que pour comprendre ta divinité, il faut d'abord comprendre la divinité de Jésus. Parce que la divinité de Jésus ne suffit pas simplement de dire que Jésus est Dieu. Les Pentecôtistes le disent. Amen. Amen. Dieu ne peut pas envoyer le frère Branham pour venir nous dire que Jésus est Dieu. Parce que les Pentecôtistes le disent. Oral Robert, Thomas Mann, n'avait pas la révélation de la divinité de Jésus. Comme le frère Branham. C'est la chose qui marquait la différence entre eux et le frère Branham. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, Matthieu chapitre 16. Matthieu sura 16. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Amen. Jésus était avec ses disciples. Ils étaient avec lui. Ils se promenaient avec eux. Chose étrange. Jésus leur posa la question. Qui suis-je? C'est comme si vous êtes avec les pasteurs. Et un jour ils montent ici. Ils vous posent la question. Qui suis-je? Amen. Vous devez avoir la révélation de qui le pasteur a envoyé. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez penser que vous avez affaire à un homme. Oh, amen. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui a suivi le pasteur Aaron. Ou je ne pense pas que quelqu'un est venu ici pour suivre le frère. Puisque vous ne me connaissez même pas. Vous n'êtes pas venu ici pour voir mon visage. Vous êtes venu ici pour écouter Dieu. Le frère Branham était un homme simple. Même Jésus était un homme simple. Écoutez. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Amen. Vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous la vie immortelle, je donne ma vie, Zoé, la vie de Dieu est dans l'être humain. Il continue. 87. Mais la Bible dit, en ce jour-là, quand la manière fleurira, l'homme ne sera plus parce qu'il s'en va à sa demeure éternelle. Et ceux qui mènent le deuil partout dans les rues, avant que les cordons d'argent ne se détachent, la manière qui fleurit, ce sont les cheveux qui grisonnent. Quand les cheveux grisonnent, l'homme ne part dans sa demeure éternelle. Ça, c'est le livre d'Ecclésiaste. Écoutez ceci. Avant que les cordons d'argent ne se détachent, mais le frère Branham dit, chaque parole de Dieu que vous écoutez, vous l'écoutez à partir de votre théophanie. Et vous, en tant qu'homme, il y a un cordon d'argent qui vous attache à votre théophanie. Il faut que cela se coupe. C'est là que l'homme repart dans sa demeure. C'est quoi sa demeure éternelle? C'est sa théophanie. Ne craignez rien. Parce que c'est cet état dans lequel vous habitez est détruit. Il y a déjà. Jésus est déjà. Inutile. Qui vous attend?
ce sont les anciens des jours. Parce que dans l'éternité, et moi, et Abraham, et Moïse, Yeah.